Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 1er janvier 2024. Bonne année 2024, meilleurs vœux de Gaza à Détroit. Donc malgré une situation explosive, terrible, horrible dans la bande de Gaza. C'est vrai, ça fait un mois que je n'ai pas donné de nouvelles, mais comme vous savez, donc, l'occupation a assassiné mon frère et toute sa famille et a détruit toute notre maison, notre immeuble. Il a dévasté, écrasé notre quartier. Et j'étais déplacé entre les quartiers d'un quartier dévasté à un autre encerclé et d'une maison détruite à une autre endommagée. Nous sommes du 2024, presque trois mois depuis le début de cette nouvelle agression israélienne contre la bande de Gaza. La situation est toujours terrible. Et voilà, il n'y a pas d'aide humanitaire qui entre la bande de Gaza, contrairement à la propagande israélienne. Le nombre de morts dépasse le 22 000 morts et presque 160 000 blessés et 10 000 disparus sur les décombres. Et la situation humanitaire est catastrophique, donc les gens ici, on ne trouve pas des choses à manger. Donc on mange un repas tous les trois jours, on n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'eau pour se laver, on n'a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture, il y a une pénurie totale de tout cela. La situation, et les gens dorment dans la rue parce que l'occupation bombarde les hôpitaux et les centres d'accueil. Donc, malgré cette situation explosive, meilleurs vœux de Gaza à la vie. Siad Midouk. Merci beaucoup.